La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. J'hésitais, mais j'aime bien la barbe, finalement. Très classe, si je puis me permettre. Merci, Cotsworth. Bien sûr, monsieur. Toujours la même chose. Cotsworth. Hé, hey, Trésor. Oh, regarde-toi. Comment une fille comme moi a pu avoir autant de chance? Et maintenant, la météo. Ce week-end, des températures assez chaudes pour la saison qui se maintiendront sur l'ensemble de la région. Mais ensuite, un front froid va descendre du Canada, ce qui rafraîchira quelque peu les festivités d'Halloween avec un temps froid et sec. Pour la semaine prochaine, les températures devraient aller jusqu'à 11 degrés lundi. Ouais. Bonjour, Société Volta. Bonjour. Regardez ça. Vous n'y... Eh bien, je vous écoute. Je vois ça, mais okay. Je... Intéressant. Oh, ça... D'accord, j'accepte. Très bien. Formidable. Merci encore. Hé, hey, Trésor. Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Monsieur. Cotsworth. Monsieur. Tu as entendu Cotsworth? Si je puis me permettre. Allez, allez. Il faudrait que vous vous occupiez. Alors, comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile. Il adore. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc. Ouais, bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite! Allons-y. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri sans. Dirigez-vous vers la porte. C'est absurde! C'est moi, Voltaire! Vous ne rentrez pas! Vous ne m'avez pas! Laissez-nous entrer! On est sur la liste! Laissez-nous entrer! Bonne chance! On est sur la liste! Suivez-moi! Allez! Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté? Montez sur la plateforme! Mettez-vous au milieu! L'ascenseur de l'abri est en haut de la colline! Faites vite! On y est presque! Tout ira bien! Je vous aime! Tous les deux! On t'aime aussi! Oh non! Accroche-toi! On peut pas aller plus vite! Aidez-moi! On a réussi. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là,
On doit... Montez l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. J'aurais été parti une minute plus tard. N'y pensez plus. Vous êtes en sécurité. Femme avec enfant. Approchez-vous de la table. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on avait. Monsieur. Mes parents étaient à Washington. On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen. Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Pour être aussi confortable que chic. On est paré pour l'avenir, pas vrai? Entrez. Pardon. Entrez dans la capsule. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1... C'est celle-ci. Ouvre. C'est quoi ce bordel?
l'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Panne critique de la station Cri. Tous les abris doivent... Allez Oh non! Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Tu veux m'accompagner, bonhomme ? D'accord. On va faire un bout de route ensemble. C'est bon. Franchement, il est là. J'arrive, bande d'enfoirés! Je vais vous faire la peau, je vous préviens! Restez! Allez! Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. À votre chien. Eh bien, si c'est vrai, votre aide. Continue. Il y a un mois. On est. On dit. Merci. Ça fait plaisir. Bien. Sturges, expliquez-lui. Il y a un excellent. Un hélicoptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Ça. Je m'en doute. Un mini. Sympa, hein? Je vous aiderai au. Vous allez avoir. Je l'ai. Méfiez-vous. Quelque chose approche. Je le sois.
Là-haut. Hé chef, y'a quelqu'un là-haut. Faites gaffe. Amène-toi, petite boîte de conserve. Faites pas trop, maman. Vous allez bien ? Ça va, Luc. C'était vraiment impressionnant. Je suis content que vous soyez de nous. Moi aussi. On n'a jamais assez d'amis. Écoute. De rien. Dans ce cas, peut-être. D'accord. Oh, c'est fort. Dites-moi. Vous êtes un homme. Je le savais. Bien. Je vous en prie, maman Murphy. Je n'ai aucune piste. Il faut m'aider. On avait un marché, Trudy. Excusez-moi. J'ai hâte de voir les courses. Non, merci. Thank you.
content de la part de Diamond City. Parce que ça... Ça faisait longtemps. Vous n'êtes pas aussi débile que vous en avez l'air. Piper, qui vous a laissé entrer ? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Respect. Un autre verre de vin, Willingham. Certainement, monsieur. Allez, viens, Darcy. On s'en va. Du calme. J'ai pas l'impression que j'ai très envie de partir. Ah ouais. Bonjour. Hé, vous là, j'ai... Allez. Vous étiez à la maison coloniale ? Vous avez... Une dispute. Vous êtes ça. Je suis censé faire plus. Pas marrant. Vous avez pas idée. Vous avez bien... Ça va. Eh ben... Il vaut peut-être mieux que je parle. Sûrement, ouais. Cook me rend dingue. Je risque de... Ok. Je te retrouve là-bas. Oh, bonjour. Je pratique dans les gradins. C'est tellement agréable de voir de jeunes personnes dans les gradins. Nous sommes tous ici. C'est l'endroit. C'est mieux. Vous débarquez dans les gradins comme... Ne soyez pas timide. Asseyez-vous et prenez un verre. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais cette vieille mémère... Je vends du grabuge sous toutes ses formes. Hé hey. Vous aimez faire des trous dans vos petits camarades de jeu? D'accord, voyons ça. Oh, génial.
qui ? Je vais tout buter, putain! T'es à moi, Minus. Vous êtes avec une caravane ou avec les pillards ? Vous n'êtes pas toujours présent, hein ? Pardon. Vous avez un peu trop de barda ? Je peux vous acheter ce qui ne vous sert pas. Et s'il vous faut d'autres choses, je peux vous les vendre. Voyons ce que vous avez. Vous trouverez bien quelque chose qui vous plaira. Liquidez-les! Ça fait une grosse erreur. Pas si vite. Oh, faites pas comme si j'étais pas là. Oh, ouais. Oh, un nouveau visage. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Cache ou troc, touche pas. Salut. J'ai tout ce qu'il faut pour lui. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. On va vous trouver. T'es d'humeur, Finn ? J'ai dit, fous-lui la paix.
Je te le dis, moi. Se ranger avec la bande à Malone-le-Jean. Quelqu'un de trop possible. Con ou quoi ? En moins de deux. Je me demandais pourquoi ils ont construit un abri dans une station de métro. Alors, Valentine, t'as les crocs ? Tu voudrais bien quelque chose à becter, hein ? Pose toujours, abruti. Ça laissera plus de temps à Malone le chétif pour décider comment te faire la peau. Je vais te trouver, tu sais. C'est ça. Tire-toi et reviens pas. Ah. Oh, Valentine. Alors ? Pourquoi vous avez risqué votre... Mon fils. Un gamin disparu ? C'est bref. Avant, la bande à Malone, c'était des petites frappes entraînées par les gros bras du quartier. C'est parti ! Un abri vide. La planque idéale, quoi. En force, hein. C'est efficace. Hé hey. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir. Je suis presque. Pas moyen de crocheter. Et voilà. Nick. Vous voulez vraiment qu'on règle ça ici ? Avec cette racaille dans tous les coins ? Quoi ? Une minute. Hey ! Oh ouais. De la volonté ! Malone va se faire un collier avec un collier. Qui a construit ce truc ? Un champion d'escalade ? Malone, le chétif et ses gars nous attendent quelque part. Ah. Et vous fiez pas à son surnom. Ce type est dangereux. Encore une porte verrouillée. Ça devrait pas être long. Nick. Aidez-moi à sortir d'ici. Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu te pointes chez moi, tu dégommes mes gars ? Tu te... Oh.
l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Désolé, Malone. Vous croyez qu'il est plus léger avec tous ces trous dans... Bon sang. Ça va être délicat. Oh. Tirons-nous d'ici. Il y a une échelle de service qui devrait nous ramener. Oh, Valentine. Bon, et si on causait un peu ? Uh-huh. C'est gentil, mais dans le coin... Ouais, venez. On se retrouve. À plus tard. Allez-y, entrez. Si quelqu'un ici est... Des fois, on ne peut que se demander s'il y a des gens qui existent. Tu dois bien avoir des ennemis. Lui ? Tu es là ? Nick ? On joue à cache-cache ? Ellie ? Merci d'avoir ramené Nick. Allez ramper dans des ruines d'avant-guerre. Je tenais. Si vous... Doucement. Allez, on s'y met. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous savez. On est à la recherche de mon fils, Sean. Il n'a même pas... Bonne question. Il y avait un homme... Une équipe restreinte, alors. Vous... Disons que c'est un peu le croque-mitaine. Rien d'être... Hey, mais le pire, c'est... Quoi qu'il en... Vous avez raison, inutile de se... L'un d'eux, c'est... Attendez, c'est quand même pas... Peut-être. Un peu trop gros. Ellie... Oui. C'est... Bon, ok. On va aller. Mm-hmm.
Le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez? Vous êtes tous parano. Autour du propriétaire, Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. Ça alors, dans le genre compartiment secret. De la Gwyn. Elle est pas mal cette marque. Par contre, ça va pas nous mener loin. Je me demande si Canigou pour... Hé, hey, pas bête. Si vous allez... Juste une chose. Au revoir, Nick. J'espère qu'on se reverra bientôt. Je veux que vous reveniez en un seul morceau. Avec votre fils. Bonne chance. Canigo, vas-y, sens-moi ça. Vas-y, mon grand, conduis-moi jusqu'à Sean. Amenez-vous! Ça va chier.
sont détectés. Curieux. Mes cache-attaque est la cible présente. Des capacités furtives. Fascinant. Un ennemi semble employer des manœuvres furtives. Intéressant. N'attendez pas à vous voir frapper à ma porte. Je vous donnais une chance sur tout d'arriver avec moi aussi. Ok, vous êtes en colère. Merde, je peux comprendre. Qu'est-ce que vous essayez de faire là? Après, il est détecté sur mes capteurs. Vous avez du cran, c'est vrai. Et vous lâchez pas le morceau. Mais vous savez pas. Vous pouvez faire marche arrière, vous savez. C'est pas trop tard. Vous avez encore le choix. Bon, vous avez réussi. Je suis là à deux pas. J'ordonne à mes synthétiques de baisser les armes. On va causer. Alors le voile. Au toit. Habitants du Commonwealth. J'entends quelque chose. Un bruit.
ce bruit. Je vais t'éclater la cervelle. Allez, Nikki, je te demande juste ton avis. Merde, je les ai perdus. Oh, Valentine. Où est votre fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez raison, Nick. Merci. C'est le moins aucun ça. Il faut que je trouve un moyen. Ça fait plus d'un an. C'est quel... C'est vrai. Ouais. Il est mort, Nick. Donc, un meurtrier. Il n'a... Ok. J'espère que vous ne vous trompez pas. Voyons. Je sais que... En fait... Je crois que j'ai déjà quelque... Un inconscient. Moi, je dois... Je n'ai pas besoin de compagnie. D'accord. Ne vous en faites pas. On va... dans le Commonwealth. Ce qui serait un bon point si on passait pas notre temps à... Vous voyez ce grand dirigeable? C'est quoi la conférence? Chercher Diamond City. Il suffit de suivre. Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Ça va être un bon combat. Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Ça va, mon pote? Tiens, tiens, Monsieur Valentine. Doc
docteur Amari ? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. On a besoin de votre aide, docteur. Je dois... Je sais qu'on demande l'impossible à Amari, mais... Bien. Vous êtes complètement malade, tout le monde. Ok. Sans... Ce cerveau contient des informations sur l'instant. Ah. D'accord. Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau, c'est l'hypothèse. Continue. Monsieur Valentine est... Merci beaucoup. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé. C'est quand vous voulez, monsieur Valentine. Asseyez-vous. Je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course. Vous me débranchez, d'accord ? Voyons voir. Continuez à me parler, monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs, des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime. Dites-moi que vous... Laissez-moi réfléchir. On va... Bien, d'accord. Asseyez-vous là, et... Bon, eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Vous m'entendez ? La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Monsieur Kellogg, ravi. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. Ah. Ah, en voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. C'est votre fils ? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Je dis pas qu'elle a raison, mais... C'est le maire qui va vraiment être furieux cette fois. J'aurais sûrement bien fait. Kellogg. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté ? C'est-à-dire ? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde ! Il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine ? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences ? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa ? Oui.
Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X-688, prêt pour accès avec Sean. Au revoir, Monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Allez-y doucement, d'accord? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde. Quelqu'un ? Bien joué, microbe. Je vais te faire la peau. Hé. Qui est là ? Première erreur, dernière erreur.
Oh, ouais. Geste brusque. Je sais que vous venez de l'Institut. Calme. Mort. Ne me prenez... Je ne m'en... Vraiment. Kellogg. Je sais que vous en faisiez partie. Comment vous savez... Qu'est-ce que... Attendez, quoi? Bien. Vous... Okay. Qu'est-ce qui... Oh. Je ne sais pas. Vous m'aidez. Très bien. Si je vous aide... Ouais. Tiens, tiens. Ouais. Ne vous foutez pas de moi. D'accord. Je suppose que votre enthousiasme... Pas... D'accord. Bien. Le point d'entrée. Le... Suivez. Je... Quelqu'un ?
Asseyez-vous quand vous voulez commencer. Hein ? Je vais tout buter, putain! De quoi? Sans déconner! Le chasseur est au premier. Tirez à vue. Et envoyez des renforts dans l'entrée au cas où il y en aurait d'autres. Qu'est-ce qui se passe en bas? Il y en a combien? Va les pas me chercher. Le chasseur est au deuxième maintenant. On dit qu'il y a un deuxième intrus dans l'aile est de la bourre. Barricadez les cages d'escalier les soirs, c'est pas déjà fait. Tu vas crever. On a perdu contact avec les secteurs 2 et 4. J'ai bien vu que vous me suiviez. Thank you.
tourne. Ah. Ça commence donc par un R. Et voilà. On a de la compagnie. Merde, il a disparu. Une question de seconde. Merde, on a de la compagnie. C'est quoi ? Je vais t'éclater la cervelle ! Bien joué, Mico ! Y a quelqu'un ? Amenez-vous ! C'était quoi ça ?
Je me demandais si je vous reverrai un jour. Géant. Désolé d'avoir douté de vos... C'est pas votre... D'accord, je n'insiste pas. Moi, j'étais pour vous, c'est toutes les deux. Je veux des... Oui, bon, ça va. Vous en êtes... Vous doutez... Non, mais... Nous, c'est... Allez. Je vais tout buter, putain!
Hey, ça fait plaisir de vous revoir. Je pense... Ah oui ? Regardez ces plans. Je veux juste savoir si vous pouvez m'aider. Je me ferai un plaisir de vous aider. C'est génial. Les miliciens auraient grand besoin de gens comme vous. Au fait... Mm-hmm. Je vais tout buter, putain! À moi, Minus. Je sais que vous avez besoin de mon aide pour fabriquer votre machine. Mais ça va devoir attendre que les miliciens reprennent du poil de la bête. J'ai eu des ennuis. Cette colonie où j'ai dû aller... Je sais que vous avez besoin de mon aide pour fabriquer votre machine. Uh-huh. C'est vrai. Il ne sera pas très utile dans un premier temps. Je pense... Vous avez entendu parler du massacre. Votre groupe venait de Quincy. Exact. J'étais dans le groupe du colonel Hollis. Bien. Je ne vais pas baisser les bras, mais... Venant de vous ? Merci. Ça veut dire ? D'accord. Parfait. Bien. Ok. Le leader des miliciens a toujours notre... L'avant. À vous. Génial. Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur. Le propre. Quand vous... Hey. Vous vouliez de l'aide tout à l'heure. Pour une machine. L'instit... Un téléporteur ? Sans...
Hey, vous avez un instant? Preston m'a dit que vous pourriez peut-être tirer quelque chose de ses plans. Oui, bien sûr. Faites-moi voir. Tenez. Ah, c'est sacrément brouillon, votre truc. Sérieux? Bref, je vais vous... Beau travail. Me remerciez pas encore. Voilà tout. Bien. Pendant ce temps, je vais... Hey, Sturges. Alors, vous avez trouvé un endroit pour construire l'intercepteur ? Oui. Alors, vous avez trouvé un endroit pour construire... Oui. Parfait. De mon côté, tenez, voilà, je vous... Merci, Sturges. Je m'y mets tout de suite. Sanctuary. C'est ok de mon côté. Vous voulez... Quand faut y aller. Tout est prêt. Au moins il ne pleut pas. Bien. Ne bougez surtout pas. Il faut éviter toute corruption du rayon moléculaire. Au fait, je me disais que ce serait l'occasion idéale d'essayer d'en apprendre le plus possible sur l'Institut. Est-ce qu'il mijote ? Cette holobande contient un programme conçu pour parcourir leur réseau et télécharger tout ce qu'ils trouvent. Oh oh, on a intérêt à se dépêcher. Faites pas attention à ces tubes qui gigotent, c'est juste pour la déco. Bon, j'essaie de capter le signal de l'Institut. Analyse des fréquences. C'est bon, accrochez-vous. Je vous prie. Je ne peux qu'imaginer ce que vous avez entendu, ce que vous pensez de nous. J'aimerais vous prouver que la première impression n'est pas toujours la bonne. Bienvenue à l'Institut. Voilà la réalité de l'Institut, cet endroit, ces gens, et notre travail. Pendant plus d'un siècle, nous nous sommes consacrés à la survie de l'humanité. Des années de recherche, d'innombrables essais et expériences. Une vision partagée de la manière dont la science peut modeler l'avenir. Ça n'a jamais été facile, et nos actions ont souvent mal été interprétées par ceux de la surface.
Un jour, peut-être, nous pourrons leur montrer ce que nous avons accompli. Mais pour l'instant, nous devons rester sous terre. Les enjeux sont bien trop grands pour risquer de tout gâcher. Comme vous l'avez vu, la surface est assez... instable. J'aimerais vous parler de ce que nous pouvons faire pour tout le monde. Mais ça Sean? Peut attendre. Hein? Oui, vous êtes ici c'est pour moi. Une raison spécifique. Sean? Très personnelle. Qui? Sean. Vous êtes ici... C'est père. Oui, c'est moi. Fils. Bien. Chut, ça va aller. S'il te plaît, Sean. Je suis... Père? Père? Père, aide-moi. Sean. S9-23. Code de... Fascinant. Mais décevant. Les réactions... Rendez-moi Sean. Le vrai Sean. Tout de suite. Je sais. Je sais. Vous avez fait tant d'efforts. Mm-hmm. Je vous ai promis des réponses. Ah. Mais... Vous, je... C'est vraiment... Oui. Dans l'abri. Mais vous... C'est si... Bien. Et... Ok. Pour vous, certainement. Alors... On peut dire ça comme ça. Il y a... Sean. Oui. C'est bien. Je ne veux plus rien. Très bien. L'Institut est sur le... Si. Je sais que vous avez vécu des... Je ferai tout. Je suis heureux de l'entendre. C'est presque fini. Il ne reste qu'à resserrer Alors ce cerveau vrai. Moteur principal. Vous êtes vraiment là. Eh bien, quand... Excusez-moi. Maintenant que vous l'avez trouvé... Comme vous nous entendez. Bien. Ça fait plaisir à entendre. Prenez si vous avez... Ça ira pour le moment. Merci. Dans ce cas, c'est la troisième panne de disque principal, ce mois-ci. Vous avez eu le temps de lire mon dernier rapport sur le lot 274 ? Salut, docteur. Comment va la famille Warwick ? Quel plaisir le de vous voir Wally ici. Le jeune Wally doit avoir presque 10 ans. J'ai hâte. Dans ce cas, je vais vous faire une brève présentation. Qu'un enfant puisse survivre aussi longtemps là-haut. Vous n'en... Avec beaucoup de travail et une bonne... Je ne sais pas. Fantastique. J'espérais... Ça ira pour le moment. Merci. Il paraît que le complément alimentaire 77 était distribué. C'est vrai ? C'est exact. C'était mon préféré. On peut le garder encore un peu. Je me ferai un plaisir de transmettre votre requête. Ça fait 2 heures qu'elle est dessus. Qu'est-ce qu'elle expérimente ? Excusez-moi, docteur ? Ah, c'est vous. Vous êtes... Oui, oui, je... Et vous en faites... Je vous remercie. Sincèrement. Avant, on m'a... Vous êtes... Merci. Utile ? Le... C'est dit. Maintenant. Ça ira pour le moment. Merci. Aucune réaction visible au mélange. Vous connaissez le protocole. Accès réservé au personnel autorisé. Retenez-moi, ou je sens qu'il va y avoir un meurtre à la division robotique. Vous êtes là ? Je suis tellement content de vous voir. Il traîne des pieds pour livrer les mises à jour des systèmes de visée que j'ai demandé. Je devrais peut-être emmener quelques chasseurs avec moi, histoire de faire passer un message. Docteur. Je vous en prie, ne faites pas ça. C'est donc vous ? Nous avons déjà assez de mal à maintenir de bonnes relations avec les autres divisions. Heureux de l'entendre. Père Mad, notre... Je pense... Assurément. Bien. Ils sont... Mais, en fait... Je sais... Quand bien même. Aussi... Maintenant... Ça ira pour le moment. Très bien. Les travaux de père ont été une source d'inspiration pour moi. Amenez-vous !
Maintenant que vous avez pu voir l'Institut de vos propres yeux, qu'en pensez-vous ? Vous avez une technologie... Heureux de voir que vous appréciez... Au bout... Hein, bien. Aussi, quand le... S'il est... Même s'ils reproduisent de très près, hein. Quand vous... Hein, ça... Hein. Sous... J'ai... D'accord. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Vous feriez... Mm-hmm. Qui est là ? Ouvrez l'œil. Je crois que c'est en fluorin à stage. Oui. C'est parti. Vierge de fer pour la tête, mais il est talonné par tas de ferraille. Mais attention à Boston Blaster, il a déjà montré de quoi il était capable. C'est quoi ce bordel ? Hein ? Y a quelqu'un ? Attendez une minute. Je dois vous dire quelque chose d'important. Pour réinitialiser les fonctions cognitives du synthétique, dites à voix haute. De rappel.
Gamma 7-1 Epsilon. Ça vaut pas le coup de crever. J'attaque la cible. Hein ? Ça doit faire beaucoup en caisse. Heureux de vous retrouver indemne. Ok. Bien que nous ne puissions plus rien faire. Mais. Je ne pouvais espérer meilleur. En votre. Et la poussière ? Vos nouveaux quartiers sont ici. Pas d'excuses. Quand vous en aurez terminé, père... Père souhaiterait... Peut-être qu'après des assemblages, vos composants nous permettront de fabriquer quelque chose de réellement utile. Oh, bonjour, père. Dites, vous êtes un synthétique. Quel objectif admire. Bien. Mais j'essaierai d'en dire. Rappelez-vous, Libertalia. Il ne Ils n'ont pas. J'espère bien. Mais il va. Ok. Nous ne. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Un contact vous attendra. Pas moyen. Ouvrez l'œil. Je crois que cette enflure a un stupéfait. Merde. Je vois plus personne. Hein? Et à moi, Minus.
détecte une présence ennemie. Tu m'échapperas pas éternellement. Ah, c'est quoi ça? Fiston. Vous savez, mais maintenant... Ce n'est pas si mal que ça. Les gens se débrouillent. Peut-être. Ok. Quand je... Juste tous les... Ils m'ont aussi... En effet, j'étais le candidat... Il est... Ah. J'avoue... Ah. Ex... Mm-hmm. Oui. Il... Il... Ah. Je n'avais... Le... Et... Sean. C'est ce que je vois. Vous savez, je n'ai jamais mis... Ah. Mais maintenant... Le... Ce n'est pas si... Peut-être. Ils m'ont... En effet, j'étais le candidat... Je me... Alors... Oui. C'était... Une... Et... Chaud. C'est ce que je vois. Bien. Vous savez, je n'ai jamais mis le... Mais le... Ok. Peut-être. Quand je... Mmh. Tous les... Ils m'ont... En effet, j'étais le candidat... Bien. Disons... J'avoue que quand je vous ai... Ah. Mais non... Ah. Extra. Alors c'est... Oui. C'est... Il n'y a... Hein. Le commun est... Sean. C'est ce que je vois. Bien. Vous savez, je n'ai jamais mis... Mm-hmm. Le seul... Uh-huh. Ah, amenez-vous! Ce n'est pas si mal que ça. Peut-être. Quand je... Tous les... Ils m'ont aussi... En effet, j'étais le candidat... Il... Je... Mais non... Ex... Alors c'était... Oui. Il n'y a une... Je... Le... Ok. Et ce qui... Sean. C'est ce que je vois. Mm. Bientôt... Un... C'est de ma faute. Je vous avais confié cette... Bien. Et là, pour... Ah. À ce... Ah. Il est temps pour vous de vous impliquer un peu. Ah. Rejoignez. J'en ai assez vu. Il est temps de rentrer. L'unité X688 ne tarit pas d'éloge sur vos talents au combat. Bien. Tout le monde est... Apparemment, ce synthétique renégat à Libertalia était un vrai danger public. Heureusement qu'il est de retour en Arcadia. Le futur de l'humanité se joue ici. Un jour, peut-être, les synthétiques pourront prendre possession du Commonwealth. J'ai raté quelque chose ? À vrai dire, tout. Notre rêve... Sean. Excuse acceptée. Je serai à la... Je n'en doute pas un instant. Ah. Il va y...
grosse journée, on dirait, hein. Et ça ne va pas s'arranger. Absolument. Bien, voyons ça en détail. Vous allez... Je considérerais que c'est fait. Pas question que vous veniez avec moi. Je crois bien n'avoir rien entendu, puisque c'est... Je ne veux pas vous... Juste ici. C'est quoi ça? Par ici! Par ici! Cible localisée! Allez.
vais tout buter, putain! Recyclage de l'air du sas. Veuillez patienter. Démarrage de la séquence de décontamination. Décontamination terminée. Vous pouvez continuer. On dirait que les pillards de Libertalia vous ont donné du fil à retordre. Quand comptez-vous me parler de cette mystérieuse face? Vous savez ce que vous parlez. L'Institut est vaste. Il vous faudra... Docteur Fillmore. Ah, je vois que vous avez réussi. Hein? J'avais... Okay. Il me semble... Bien. Merci d'avoir ramené ce synthétique.
C'était du bon boulot. Pas plus que de... Suivez bien le régime dont nous avons convenu. Oui, docteur, je prends toutes mes pieds. Je vois. Et vous avez pu vous reposer un peu plus? Vous avez encore beaucoup de questions? Intéressant. Pas d'autres douleurs? Tu voulais me voir? J'ai appris que l'opération de masse fusion a... On les a éliminés. C'est sûr. Mais l'inter... Nous... Je suis. Okay. Quoi qu'il en... Mais je... Quoi que ça... Je l'espère bien. Pendant que... Le... Ça n'a pas l'air bien. En effet, c'était sans... Il a... Bref, je... Ah, ça fait plaisir de vous voir. Je commençais à avoir peur qu'on puisse pas se sortir. On ne s'attendait déjà pas à cette... S'il est important pour l'instant... Vous avez sûr. Bien. Je sais qu'il se... Je crois, mais... Allons-y. Ça me va. Bien. Il y a juste un... Okay. Je me disais... Pas de problème. Je l'espère. On a vraiment... Ça ne sert à rien. Monsieur Wallace, je suis là pour vous parler. Vous êtes... Vous êtes comme eux, pas vrai? Vous êtes un robot? Calmez-vous. Non, je connais. Et du calme, ok? Je veux simplement... Si je... Fermez-la et écoutez-moi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous me voulez? L'Institut a besoin de votre aide, Monsieur Wallace. Mon aide? Vous nous aideriez à créer un monde meilleur. Ça... Je crois qu'on a la situation. Okay. Merci. Et je suis là pour ça. Je suis sincère, je vous redresse. On se... Je savais que le docteur Higgs était mécontent. Je ne sais pas qu'il aurait aussi. Ah! Vous voilà. Vous n'y mettez notre... Avec... C'est vraiment... À ce stade, ça ne fait aucun doute. Il ne... Il... Bien. Bonne idée. Avec... Oui, c'est un de nos buts. Nous vous... Utile.
Voilà des années que vous soupçonnez que l'Institut existe toujours, que nous sommes parmi vous. C'est exact. Mais ce n'est pas l'entière vérité. Nous sommes là et nous sommes l'avenir. Notre technologie aujourd'hui, nous n'avons vie quotidienne. Nous vous demandons toutes de terribles conséquences. Dorme. Est en bonne main et que sous notre férule. Ma foi, c'était intéressant. Mais que dire ? Un peu d'air. Dommage que l'air de la surface. Et si avant on prévient. Sean. Quand vous aurez fait le nez. Nécessaire à. Je vais tout buter, putain! Je vois que vous avez une de ces combinaisons d'abri. C'est une taille unique. Si vous voulez mon avis, Higgs et Loken cherchent juste à attirer l'attention. Votre petite visite de la grande ville, c'est bien. Alors. Tout est prêt. On peut lancer l'émission. Bien, à vous l'honneur. Mes amis, le moment pour lequel nous avons tous œuvré est arrivé. Après tous les efforts consentis, nous allons enfin pouvoir allumer notre. Nous n'aurons plus besoin de faire de. Mon père et moi sommes on ne peut plus. Et à l'avenir, nous espérons bien réaliser de plus grandes choses encore. L'Institut est réellement le meilleur espoir de l'humanité. Merci. Merci à tous. C'est presque difficile à croire. Après toutes ces...
Rendez-vous. J'ai fait du bon travail. Oui. Hop, il reste okay. Le compte. Malgré toutes nos technologies de pointe, nous sommes toujours incapables de soigner le rhume banal. Prendre nos réserves de nourriture en otage, X et Lokel sont tous, ils pensent que ça va marcher. C'est vraiment un plaisir. Permettez-moi d'être la première à vous souhaiter la bienvenue. Nous avons hâte de travailler avec vous. Tout le plaisir est pour moi, docteur. J'espère. Je n'en doute pas. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il est enfin temps de nous affirmer. N'exagérons rien, Justin. Je n'exagère pas. Nous sommes en position de riposter, de nous affirmer pour de bon. C'est de ça qu'on a toujours parlé. Je vais résumer pour vous. Comme vous le savez, il y a des groupuscules dans le Commonwealth qui s'opposent aux objectifs de l'Institut. Notre recteur va déjà nous permettre d'augmenter la production de synthétiques, mais il nous procure aussi une puissance sans précédent. Le réacteur va sans aucun doute améliorer la vie. Oui, le constat... Comme vous dites... Bien. Alors... Je suis d'accord. Frappons vite et fort. C'est... Comme vous... On aimerait... La plus grande force de l'Institut, ce sont les synthétiques. Bien, merci de nous avoir... Okay. Ce sera tout. On a enfin une source d'électricité adaptée à nos besoins. Mon travail est de faire en sorte qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine. Ah, vous voilà. Vous avez parlé aux membres du Conseil ? C'est la seule façon d'assurer la sécurité. L'Institut. On n'a pas le choix. Heureux de l'entendre. C'est entre... C'était... Je vous assure encore une fois, il y a évidemment une dernière menace. Quelle que soit la... Je le crois aussi. Ah. Mais confrère... Bien. Tu... Content que vous soyez du même. Mmh. Mais le... Si on peut les battre... C'est possible, oui. Nous... Ok. Il comprend. Tu es... L'Institut ne laisse... Le... Cette fois, X et Loken ont vraiment perdu la tête. Ils auront de la chance s'ils ne se font pas exiler. Cette fois, X et Loken ont vraiment perdu la tête. Ils auront de la chance s'ils ne se font pas exiler. Vous avez fait du bon travail jusqu'ici, mais votre évaluation est loin d'être terminée. Docteur Lee... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Sean a dit que c'était le moment. Ah. Le docteur Lee ne le montre peut-être pas. Docteur Orman, par ici, mais je c'est le moment. Mais je sais qu'il est ravi que le réacteur fonctionne. Quoi ? Je travaille toujours sur le code envoyé par la division de robotique. L'algorithme ne ressemble à rien. On est encore loin d'un résultat optimal. Malheureusement, on est... Ah ! Amenez-vous ! Alors... Qu'est-ce qui se passe exactement ? On va faire le point sur l'essentiel de l'opération dans les... Le docteur... Ouais. Parfait. On a qu'à se téléporter sur... Ça ne servira à rien. Il n'y a pas de lien... Exactement. La surprise... Okay. À chaque... Des grenades ? Non, ce ne sont pas des grenades. Pas mal. N'est-ce pas ? Enfin... Votre vrai... C'est le robot. Oui. Il le considère comme... On a... Et, c'était mon idée... On aurait un sacré... Enfin, ce n'est pas comme si on pouvait lui donner l'ordre. Bien. Et il reconnaîtra le dirigeable de la confrérie. Ça... Au final, votre objectif est assez simple. Bien. Oh, si vous avez... Pas de questions. Au boulot. Très bien.
traîner, Max. Maxon. Oh, ouais. Chargement terminé dans 5, 4, 3, 2, 1. Opération terminée. Arrêt en cours. Évaluation tactique mise à jour. Réseau de Chinois communistes détecté. Toute incursion des forces communistes par voie d'air doit être arrêtée.
application de la directive 7395. Élimination de tous les communistes. Il est temps d'y aller. On va se téléporter à un endroit sûr. I've lost Sean. All over again. I close my eyes. I see my life before all of this. Before the bombs. Everything can change in an instant. And the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. Tout buter, putain.